Bien-aimés de Café Évangile, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? La scène de l'évangile d'aujourd'hui se déroule à une vingtaine de kilomètres au nord de la mer de Galilée, en dehors du territoire d'Hérode et à l'abri du regard des pharisiens. Il s'agit d'une conversation privée entre Jésus et ses disciples, dans un lieu où ils peuvent parler librement. Pour cette raison, cette conversation est particulièrement personnelle, dans la mesure où les disciples se sont sentis libres d'exprimer leurs convictions personnelles sans crainte de représailles. Au cours de la conversation, Jésus pose deux questions consécutives. Premièrement, qui dit-on que le Fils de l'homme est? Deuxièmement, et vous, qui dites-vous que je suis? En posant ces deux questions, le Seigneur invite d'abord les disciples à identifier les différentes opinions qui circulent à son sujet, puis leur donne l'occasion d'exprimer leur propre conviction. Pierre répond en leur nom à tous en professant solennellement « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Bien chers amis, si le Seigneur te posait ces deux questions, que répondrais-tu? Premièrement, quelle est l'opinion générale que la plupart des gens ont sur le Seigneur de nos jours? Et si on leur posait la question, la plupart des chrétiens donneraient la bonne réponse « Jésus est Dieu, il est le Sauveur, il est le Fils du Père ». Mais parfois, ces réponses sont plus théoriques que personnelles. Il est souvent facile de croire des choses sur le Seigneur plutôt que de croire en Jésus-Christ. C'est ce qui nous passe des fois. On croit à ce qu'il fait plus que de croire en lui. Chers amis, si vous deviez répondre à la deuxième question, que diriez-vous? Idéalement, vous répondriez que Jésus est votre Sauveur, votre Dieu, votre berger, votre Seigneur. La foi en Jésus-Christ ne doit pas seulement être théorique, elle doit être profondément personnelle, jaillir du plus profond de votre cœur. La foi personnelle profonde en Jésus-Christ ne peut provenir que d'une seule source. Elle vient du Père qui parle à votre cœur d'une manière réelle et personnelle. Après que Pierre a professé sa foi en Jésus, le Seigneur lui a dit « Tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père céleste. » La foi personnelle de Pierre en Jésus n'était pas seulement quelque chose qu'il avait entendu dire par d'autres. Ce n'était pas seulement une opinion populairement acceptée. C'était quelque chose que le Père Céleste lui avait personnellement révélé. Tel est le don de la foi. La profession de foi personnelle de Pierre est devenue le fondement rocher sur lequel le Seigneur a construit son Église. Je te le dis, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Cela révèle le projet de Jésus d'établir Pierre comme chef de l'Église et de lui donner les clés du royaume des cieux pour toute l'Église. De même, notre profession de foi personnelle deviendra le fondement inébranlable de notre âme sur lequel l'Église de Dieu prendra vie en chacun de nous. Lorsque notre foi est fondée sur une révélation personnelle du Père céleste prononcée dans le secret de notre âme, rien ne peut l'éteindre. Les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir contre elles. Résolution de ce jour, évalue ta propre foi en Jésus-Christ. Est-ce que la foi que tu as est une foi fondée sur les choses, sur le matériel, parce que le Seigneur t'a béni, parce qu'il t'a donné une bonne famille, un bon travail, de bons amis, ou bien c'est une foi qui touche vraiment le tréfonds de qui est Dieu pour toi? Parce que ces choses-là que tu as aujourd'hui, demain tu peux ne pas les avoir. Et dans ces moments de difficulté, cette foi-là tiendra. Sur quoi est fondée ta foi en Jésus-Christ? Sur lui-même ou sur les choses que tu reçois de lui? Bonne journée, Dieu vous bénisse.